Oh putain, je vais prendre si cher. Oh là là, c'est parti, attention. Saut. Sodomi. Ah non, c'est bon. Oh, ça va. Il y a la paix. Oh, Gadja. Oh, Gadja. Il y a pas moyen, Gadja. A... Ah, quoique. Est-ce qu'on a un réveil matin? Citadel. Oh, la frappe d'Eb. Oh, oui. Oui, oui, oui. Probably dead. Allez. Oh là là, ce dodge de l'enfer. Plonk. Allez, vas-y, on remet. Il est sérieux là? C'était quoi ça? Citadel x2. C'est le chip qui fallait Citadel. Bah tu vois, il est bien. Ah mais juste pour ça. Citadel x2, 5000. Ouh! Eh les autres, s'il vous plaît. Pas de troll. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Attention, merci. Ça peut faire mal. Ouf! Je le vole, KSWX. Oui! KSWX, my girl. Vas-y, dodge ma gueule. Dodge ça, dodge this, motherfucker, Kraken. Merde. Non. Victimas, le dernier jour, je sais. Non, mais bravo, voilà. Non, je te jure que... Et des casseroles supplémentaires. 14 écrans pour la postérité. Oui, que ça, non? Oh, mais l'autre, il me passe dessus, tu vois. Ah, mais c'est Pitons! Évidemment! Ah, bah, je suis mort! Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Là-bas, t'as vu? Trop bien sapé, à vite bol. J'aime pas comme tu conduis, j'ai pas confiance. Ferme-la. Ah non. Mais non. C'est pas drôle. Elle est dans un champ, quoi. Oh putain. Merde, toi. Mais arrête. Mais oui, mais je peux pas. Tarte, connard. Tu m'entends là ou pas? Ouais, très bien. Non. 300 piles. Oui, GG, on est sur 300. Merci à tous, merci, c'est gentil. Voilà. Donc si jamais vous voulez d'autres samples, vous me faites des petits clips. Moi, je ramasse le samedi soir, généralement, je fais une petite collection. Mais attends, en fait, tu fais ça pour ça. Sur le prix, en fait. Jean-Michel Connard. Oui, oui. Non. Je m'en fous, même sur la perche, je dodge. Attention, deux gens, on marche arrière ou pas? Je vais prendre des torpes de Shimon. Oh, le meilleur dodge ever! Il a fait. Pour l'instant, je suis encore en vie. Il l'a fait! Excusez-moi, je dois doger. Derrière moi, c'est bon. Non, toi. Non, on a juste tu entends une petite voix quand même. Attends, chérie, viens dire bonjour. Viens... Allez. Ouais, plus un. Alors là, un gros plus un. Viens, chérie, viens, on va se battre.
Non mais tu fais tes courses mais tu fous en même temps la merde là, je te rassure. Ça tire à balles réelles, bah ouais mais non. Elle perd des points mais toi tu vas gagner le canapé ce soir. Ah mais tu sais le canapé je le gagne tous les soirs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'arrive même plus à jouer tellement je suis choqué de ce que j'entends quoi. Non, t'arrives pas à jouer parce que t'es nul, mais ça peut prendre le sens. Ah non, là c'est bon. Oh là, c'est bon, c'est bon. Fini. Voilà. Évidemment, bon. C'était bien qu'on ait une course en fait. Hein. Ah, c'est bon. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Qui nous défend de voir si proche! Joyeux Je rêve, ça m'avait manqué cette intro. Bonsoir, on a votre discussion ce soir. J'ai absolument aucune idée de ce qu'on va jouer, mais je pense savoir, vous êtes pas prêts. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué, mais ça fait genre méga longtemps. Bonsoir Gernix, comment tu vas? J'ai envie ce soir de m'amuser un petit peu en mode revival. Et faire aussi un petit clin d'œil à mon cher Cib, voilà. Ça fait bien longtemps. Ah merci Malard pour le t'es pas beau. C'est pas faux, mais si ça peut te rassurer, toi non plus. Donc si tu veux, sur un équilibre, on est à l'étal, tu vois. Merci mon grand Malard, merci frérot. Comment vas-tu? Boule magique, je l'ai vu ton clip, il est parfait. On joue où ça? Plus quand même, faut pas déconner. Toi-même, tu sais, hein. Ah là là. Donc, j'avais une petite idée aujourd'hui. Petite idée. En mode gros revival. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai testé juste avant le jeu. Allez là! Voilà. À part que c'est absolument pas mis au bon endroit. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, nous allons jouer à... lancer des grosses fusées. Il y a un discours de Poutine qui est passé récemment. M'a donné envie de lancer des fusées. Voilà. Au pire, elle retombe, tu vois, sur Terre. Et mais enfin, hein, quelle ref. Mais oui, KSP2 sort après demain. Déjà demain. Demain, il y a un Instabuy. Lequel est-il? Moi préco, tu m'as regardé? Tu m'as bien regardé? Moi préco. Zéro. Je ne préco jamais. J'insta by day one, je ne préco jamais. J'ai eu un truc débile aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'ai eu un truc vraiment débile. Tu vois vraiment le truc, c'est stream, tranquille. Je propose un truc, il est 52. À 19h15, on décolle, tu vois. Sérieusement, il faut une config à 4000 boules pour faire tourner. Oh non, ils ont pas fait ça. Pas un truc élitiste, quand même. Alors, c'est vrai que le public cible, généralement, de ce genre de jeu... Et je parlais de tout ce qui est simulator. Rappelez-vous, et rappelle-toi, mon cher Malard. Flight Simulator, développé par l'équipe bordelaise, là. Qui dit chocolatine. Quand il est sorti, si t'avais une 2060, tu tournais genre à 16 FPS. Il te fallait à l'époque une 2080 qui venait juste de sortir. Grosso merdo, comptait 1300 boules, hein, à l'époque, là, 2080 Ti. Non, chocolatine, je t'assure, Gernix. Mais... Flight Simulator est sorti en mode élitiste aussi, hein. Ne pas oublier, hein. J'ai envie de faire un truc débile. Je sais pas pourquoi je sens que je fais un truc débile. Par contre, le jeu est passé en français. Ça va certainement vous plaire. Moi, non. J'aime bien mon jeu en anglais. Jusque-là, il y a un monde où on se dit « is ok », tu vois. Jusque-là. Et c'est généralement à partir de là que ça part en sucette, tu vois. On va pas mettre ça sur les écoutilles. C'est déjà buggy à cette
À ce stade-là, c'est bugué. En fait, déjà, ils sont toutes microscopiques. Il n'y a pas plus de version plus... Voilà, la version adulte. Mais j'en ai demandé trois, Jean-Claude. Mais écoute, ce sera deux. Voir si ça me saoule un. Mais sans déconner. La symétrie. La symétrie, Jean-Claude. En fait, c'est quand même une discussion. Hein. Racontez-moi, comment ça va, Jernix? Malarge, tu verras, je m'en fous comment il va, mais Jernix, toi, ça m'intéresse, tu vois. Et bon copain. Malarge, il vient en Girondie, il me dit chocolatine tous les 4 secondes, mais il vient pas me voir, tu vois. Typiquement, donc... Typiquement, la valeur des problèmes, ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On est en stream, pépouze. On s'attire des problèmes de manière... collatéral. J'aime bien, tu remarqueras. Se donner un genre. Tu remarqueras que je ratisse pas large. Hein. J'aime bien le côté autarcie en disant ça. Ah, c'est ça qu'il me fallait, c'est l'électricité. L'électricité, c'est important. Il paraît que ça gouverne le monde. Et bien, on va en mettre, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça et 2-3 panneaux solaires, après tout. Hein. Combien on est? Merde, je sais plus où c'est. J'ai pas lancé le jeu depuis 2 ans. Avant que vous demandiez qu'est-ce qui branle. Bon, tu sais quoi, hein, on s'en balèque. On est en pilote auto aujourd'hui. On va quand même mettre un truc intéressant, ça s'appelle... Non, 2. Droit, si possible, droit. Aujourd'hui, c'est le... Comme on dit dans l'Aveyron, c'est Abistadinas. Hein. Voilà. Non mais j'en veux qu'un, connard. Oh, j'ai pas vu, j'étais en symétrie, au secours. C'était pour une fois, c'était centré. Bonsoir, Bitos. Comment il va, le trou de balle en sous-chef? J'étais déjà en retard. Je rappelle que hier, j'ai même pas eu le temps de streamer parce que j'ai levé le nez du boulot. Il était 20h. Et encore, je vais pas dire qu'il était 21h, sinon vous allez tous me dire que je suis en mode... On va dire en mode... esclavagisme. Mais c'était pas loin. Si je m'étais écouté, je suis encore au travail, là, Bitos, by the way. Mais il y a une partie de moi qui a fait, écoute, t'as déjà raté un stream hier, ça t'a déjà assez cassé les couilles, j'étais de mauvais poil. Ça. Et autre chose, mais l'avantage de la discussion, c'est qu'on discute. La discussion, ça va vous intéresser, c'est la prochaine partie. C'est-à-dire que le poulpe risque de recevoir la fibre fin mars. Voilà, voilà. Une voiture d'Orange qui s'est gentiment garée devant chez moi. J'ai fait, monsieur, ne partez pas sans dire bonjour. Je suis joie, allégresse, je n'en peux plus. Quatre. Quatre, ça me paraît être un bon nombre. Pour la connerie qui vient juste après. Clan War ce soir, cross ou pas? Non. Non, non, vraiment pas. C'est pas que je ne veuille pas, c'est que je n'ai juste pas le degré de cerveau pour aller bosser en clan battle. Je vais juste... Peut-on m'expliquer le bug? C'est moi, ils ont... Les... Plus... Au début, c'était pas bugué, là, ça allait. Mais da fuck. Non... Activer le magnétisme. Ben oui. Mais colle. Mais colle, connard! Non, mais j'y jouais sur Mac en 2017, c'était absolument pas bugué. Le skill, mais le skill. Je te rappelle, tu m'as dit que tu venais chez KWX cette année, Malar. Hein. Je te rappelle. Bon, tu sais quoi? Ça va tenir comme ça. Mais comme les dernières... Oui, mais l'année dernière, t'avais pas trop le temps. T'étais un peu busy, t'avais d'autres choses à gérer. Cette année, maintenant, t'as le temps. T'es un peu limite vacancier, tu vois. Attends. Attends. On peut se la jouer encore plus violence.
Séparateur pas la bonne taille. Voilà, bonne taille. Charge utile. Bah ouais, une charge utile. C'est très bien une charge utile comme ça. Franchement, c'est aérodynamique. Pensez pas ? Non ? D'accord. Si vous pensez pas, on va prendre autre chose. Franchement, ils ok. Non mais celle encore avant, à l'EHPAD ils étaient encore un peu actifs. Là on choisit, soit tu viens, on t'envoie Bitos qui te remplace, soit tu viens et on garde Bitos, mais à un moment donné il faut faire un choix quoi. Ah c'est ça, il fallait faire clic droit. Ergol liquide, là électricité 4000, 8. 8 x 5, 40, ok c'est bon. Ouais. Tu vas y arriver. Moi je crois en toi. Crois en tes rêves, Malard. Alors j'en prends un seul. En vrai ça compte comme discussion, hein, ce stream. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais ça compte. Hein. Je pense une discussion aujourd'hui, tu vois. Bonsoir Boboche, comment tu vas? Boboche qui me soutient dans mon arrivée de fibre sur Twitter de tous les instants. D'ailleurs, je tenais à te remercier Boboche. Tu es d'un soutien, mais indéfectible. Ne change jamais. J'aime bien, c'est t'accueillir avec mi-boîte, mi-compliment. C'est le stream mi-fig, mi-raisin. Absolument, absolument. Quelque chose qui consomme pas trop dans le vide, mais qui pousse dans le vide. 260. 1500 1500 kN dans le vide. 250. Mais moi bientôt. Je sais que tout le monde s'en fout, mais moi bientôt. 300, c'est pas ouf comme pousser 300. Ça fait un peu mou du genou, ça aussi. 400, c'est mieux. Ça fait un peu petit kiki, tu vois, genre Malard, quoi. Alors ça, c'est un peu plus moi, quoi. Mais c'est 375 hein, en poussée à vide. Attends. Il y a bien un moment... On s'en met la gant. Ouais, quand vous serez tous 110 gigas, je fais « Eh, ça va, j'ai 500 mégas, c'est cool !» Ah, mais dis ça à Sogetrel, si tu veux. Hein. Combien il fait celui-ci en poussée ? 60. 60 ! C'est nul ! Attends, mais je suis en quoi ? Ergol liquide. Ergol liquide. Quelque chose qui bouffe de l'ergol liquide. Quelque chose qui ne bouffe que de l'ergol liquide. Putain, mais 4000, le truc de Mabulito, quoi. Je vais juste faire un test, voir si ça décolle, ça. Je sens que non, d'ailleurs. Je peux vous spoiler un peu la fin. Je sens que non. Que j'ai eu l'iPhone 6S jusqu'à très très longtemps, Malard. Hein. Très très longtemps. Très très longtemps. Alors, on active le RCS. La poussée. Bon, ça ne prend pas. Pourquoi ? Ergol liquide. Peut-être pour ça la réponse. J'ai pas d'oxygène. Centre spatial. Explosion. Même pas. Pétard mouillé, on l'appelle, Jarnik. Et c'est quoi ? On va l'appeler pétard mouillé. On va l'appeler pétard mouillé. Nom du vaisseau. Pétard mouillé. Ou le ta gueule c'est magique. J'avais les deux choix, mais le deuxième titre je le garde plutôt pour un Harry Potter quand je l'aurai acheté. Enfin quand ça coûtera pas le prix genre de course pendant 3 semaines. Ah, il y a l'oxydant là-dedans, voilà ce qui me manquait.
Bon, j'ai tout pété. Au moins comme ça, pas de jaloux. Second test. C'est important de tester. Puis alors, vu que la vie des Kerbal, très honnêtement, on s'en battrait pas un peu les... Hein ? Voilà, hein. Aucun contrôle. Aucun module de commande. Tiens, c'est pas banal. Si seulement... Commande et contrôle. Tu veux des modules de commande ? Allez, c'est parti. Mais de fuck ! Je viens d'en mettre un. Si quelqu'un a un tuto... Bon, écoute, on va tenter, ça se trouve, il faudrait que ce soit collé au module de commande. Hein. Au secours... Oui, on refait Kerbal sans tuto, on plagie un peu JDG, mais t'as vu, tu vois, tout va bien, quoi. Non, j'ai bien un module là. Il a tout cassé le jeu. Ça se trouve, c'est ça. J'ai pété le jeu. Tu le dis, je peux même pas remettre. Ah, si, c'est bon. Eh, tu sais quoi ? Ça pèse R. Ah, c'est ça que je voulais mettre, c'est des panneaux solaires. Je suis un peu Jean Écolo, tu vois. Je suis un peu Nicolas Hulot là-dessus. Où sont mes panneaux solaires ? J'adore les panneaux solaires. Les communications me sont bas les couilles. Voilà, communitron, tiens. Hop, ça va pencher un peu à droite, mais on s'en fout. Jusqu'ici, tout va bien. Communication, c'est cool. Électricité, ça me semble être ça pour les panneaux solaires. Panneaux photovoltaïques. Ceci est une bonne définition, Cross. Non, you know what ? On va en mettre 3 ou 4. Un peu partout. On va mettre qui se déplie. Johnny l'écolo. Faut penser un petit peu. Il y aura de la place pour les ailes. Oui, après on mettra des ailes. Ça va être très très bien. Oui, c'est aussi un stream discussion. On discute. Mais comment ça, aucun contrôle ? Mais suce un ours ! Dis-moi pas qu'il faut le mettre devant. C'est pas à ce point quand même. Faut le mettre sur le nose, le truc de contrôle ou quoi? Direction la lune, ouais, plus tard, hein. Plus tard, mais la gang, je pense. Le mec qui stream, c'est notif WhatsApp. C'est vrai que j'ai oublié de cut. Notif WhatsApp était du groupe en disant est-ce que caca a une sauce bolo? Si ça intéresse du monde, peut le savoir. Ceci, donc, le groupe des voisins qui demande si caca a pas une sauce bolo. Ah, guidage à distance. Ben voilà. Ah, c'est un peu, ça prend un peu de place quand même. J'ai pas un carbalito là pour... J'ai pas de pilote à recruter. Attendez, on va recruter un pilote. Moi je pense qu'il y a bien un téméraire pour piloter ça, en one shot. Aire de lancement, non. Ouais, on va recruter des carbolitos. Recherche et développement, compétences astronautiques. C'est là-dedans. Mais voilà, fallait les recruter, un char à canon. Mais venez tous, ça va bien se passer. Quelle bande de chochottes celle-là, je te jure. Oui, bah écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. Équipage, mais voilà, équipage, place libre, pilote, mais voilà, char à canon, go. Dégager l'aire de lancement, super, ça dégage. Allez, on se lance. J'avais pas fait exprès, Malard, désolé, pour tes petites oreilles très aguerries. Alors, RCS,
Go, 3, 2, 1. Moi je dis on lance. On lance. Eh ben c'est allé très loin. Mais ça se lance. Aucun problème. Ta trajectoire est totalement contrôlée. Regardez-moi ça. Tu sais, c'est comme les barres parallèles, tu sais, aux Jeux Olympiques. Et hop, on tient. On tient. Regarde-moi ça. On dirait un athlète... Oh là là là, c'est des barres... Et imaginez-vous les Jeux Olympiques. Faut tenir... Non, c'est des quoi? C'est des arceaux, là. Franchement, ça passe. Ça passe. Je vous trouve ultra médisant. Moi, je trouve que c'est beau ce qui se passe à l'écran. Bon, on a plus de carburant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est à sec. Mais je trouve que ça va. C'est un bon début. Au moins, elle a décollé. Elle a décollé, Mélagan. Elle a décollé. Relancer le vol. Revenir au lancement. L'avantage, c'est que c'est du die and retry. C'est trop bien. Il a séquestré le console chez Orange. Ce sera dans les faits divers. Jernik, c'était même pas prêt. Franchement... Après, il mérite. Hein. Ça fait 2 ans que je l'attends aussi, Jernik. 2 ans. 2 ans, c'est long. Hein. On le retente? On le retente. Moins de poussée. Moins de poussée. On laisse tout droit. On touche à rien. Bon, bah. Ça fait bim bam boum. Non, on a arrêté juste avant. Oui, je suis au courant, Scrat. Je vais juste voir au moins si elle va droite avec le module. Qui, je pense, fait un peu aérofrein, effectivement. Relancer le vol, revenir au lancement. Oui, mais Scrat. J'y ai joué à ce jeu, mais c'était en 2017, et je crois qu'on a fait un stream dessus. On est allé de la Terre à la Lune. Station de contrôle, c'est centre spatial. Le 06 de Kim Jong-un, il sera hyper intéressé par mon missile balistique. Hyper intéressé. J'ai fini dans l'eau de rien du tout. Là, il faut faire clic droit. Je clique. Voilà. Tu peux faire ta coiffe, aucun problème. Et faire à peu près le penny qui va bien en bout. Voilà. Je connais, hein, Scrat. C'est pas que je sais que je fais un peu le débile volontairement, mais je connais un minimum le jeu. J'ai pas dit que j'étais bon. Hein. Il y a quand même un gros gap. Je prétends absolument pas être bon d'ailleurs. Mais je prétends m'éclater. Et on est là pour ça après tout. Stream fin de journée. Qu'est-ce qu'on veut? Mais du fun, tout simplement. Tout simplement. Me voir struggler, en train de mettre 2 dérives. À une pseudo-navette spatiale internationale. Franchement, cet aérodynamisme de tous les instants. Ouais. Alors sachez-le, le shift droite ne fonctionne pas pareil que le shift gauche. Encore une invention bien américaine. Ok. On a une dérive. Moi, je pense qu'on est bon. En fait, l'intitulé du stream aurait dû être « On recrée la Space Shuttle, mais version moche. » Là, vous m'auriez cru. Voilà, Bobby. Ça me plaît. Alors, comme la symétrie est éclatée au sol, on va faire une symétrie à nous. Bonsoir Sharon, comment vas-tu? Tu remarqueras prononciation impeccable du premier coup. Ok, panneau photo. Dérive is ok. Centré, vite fait. Centré, vite fait. Je pense que ça passe. Et c'est maintenant, généralement, que ça part en sucette. J'annonce. C'est généralement à partir de ce moment-là que je pète un câble. On a vu qu'elle décollait. On a vu qu'on était un petit peu short aussi en fuel. Je propose qu'on rajoute du fuel. Qui de mieux pour ajouter un peu de fuel que... Ouais, on va devoir... Il y en a qui ont suivi mon drift.
S'il y en a qui ont suivi mon drift, levez la main dans le chat. J'annonce, ça va pas être beau à voir, mais ça va être très très drôle. Ah, qu'est-ce que j'aime. Salut l'astrono-geek. Allez, ciao, ciao. Bah attendez, mais ça passe ça, capitaine. Vous inquiétez pas, je suis ingénieur de génération en génération. Vous êtes parlé, mon brevet de pilote ? Oh là là. Ça me fait kiffer, tu vois. Le jour où on sera capable, l'humanité, de faire des trucs en disant « Hey, j'ai les balls, je la fais », là, je me dirais, on a passé un step, tu vois, dans l'humanité. Tu vois, il y avait Trump, c'était too much, mais le mec, il porte ses balls et qui dit « Ça, les gars, ça, je le construis », lui, j'aurai un respect, quoi. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Si ça décolle... Moi, ça me fait kiffer. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait marrer, ce genre de conneries. Mec, le moteur est pas assez gros. Le moteur est moins large que le réservoir. Sans déconner, y a pas un moteur aussi large ? Non. Mais les développeurs, fallait porter ses bols jusqu'au bout. Un truc gigantesque, quoi. Franchement, je comprends pas. Y avait matière. Non, en vrai, AstronoGeek, j'adore cette chaîne. Quand il parle d'astrologie, moi, je kiffe. Les volcans, j'aime beaucoup, mais vraiment, moi, ce qui me passionne, c'est ce qu'il y a au-dessus. Hein. Tiens, un sondage à la con. Moi, j'aime bien les sondages à la con, comme beaucoup de choses à la con, d'ailleurs. Qui regarde un petit peu le ciel le soir, en mode, je sors de chez moi, je vide une poubelle, et tiens, je m'arrête pour regarder un peu une étoile ou deux. Qui d'entre vous le fait ? Que je me sente moins seul ? J'aime bien sentir moins seul, pas vous? Je suis en train de penser un truc, c'est qu'on a oublié les séparateurs. Non! Ah, j'ai cru que j'avais tout pété. L'espace d'un instant, hein. J'ai oublié le couplage, déjà. Sur ce stream, tout est safe. J'annonce que tout est safe. Tout est encadré par des professionnels. Digne d'un parisien sans accent du sud. Mec, tu sais pas à quel point c'est une insulte pour moi ce que tu viens de dire, Charogne. Oh là là, parisien, quoi. J'espère que j'ai pas mes clients qui regardent ces streams ou qui passent de temps en temps. Parce que je les adore, hein, quand je vais les voir sur Paris. Mais c'est un supplice pour moi. Encore le train avec le masque et tout, ça va, même si c'est pas obligatoire. Mais à Paris, quoi. Quand je dois prendre un métro, j'ai une envie intérieure de moi-même de me petit suicider, quoi. Mais c'est comme ça. Écoute, tant qu'on y est, j'aimerais si possible en mettre qu'un seul sur chaque L. Des tout petits, rétractés. Alors, vu que la symétrie est encore éclatée au sol, on va le faire en manuel. Rétracté. Est-ce que j'oublie un truc ? Non mais après, il y a ceux qui abusent dans les boîtes, qui font des notes de frais de Uber à tout, dans tous les sens et tout. Moi je suis pas du style à abuser, tu vois, je me dis, bah tiens, je vais à Paris, bah, je vais faire comme tout le monde, je prends le métro, tu vois. Je sais qu'il y en a, hein. En mode, oh non, je vais à Paris, je prends minimum un Uber. Ah, j'aime pas trop ça. Mais ouais. Alors, non. C'est un peu les gens de type Bitos, tu vois. Autrement appelé la baltringasse, quoi. Ça tirait des problèmes phase 2. Sinon, vous pensez qu'elle va vraiment aller loin ou pas? C'est une question ouverte, hein. Vous pouvez dire non. Donnez vos altitudes approximatives dans le chat. Celui qui est le plus proche gagne. Gagne quoi? Un dé à coudre. Franchement, à côté, tout le monde hype sur Hogwarts Legacy. Je comprends pas, il y a des streams de qualité sur construire une fusée qui décolle. Je vois pas le problème. Mais il y a la place, Johnny. Ah. Moi, je pense que ça tient. Qu'est-ce que j'ai encore foutu ?
Oui, casse-toi le réservoir. En vrai, c'est trop long. C'est en privé. Des paroles. 5 ans que c'est des paroles. Je suis blasé maintenant. Et j'aurais bien attaché le nose. Mais voilà, ça tient. Pourquoi ils ont pas mis un rover tout fait aussi, Scrat? Ils auraient pu mettre un rover tout fait. Hein. Le but étant de déposer un rover, tu vois. T'as vu ça, toujours aussi mauvaise, Valar. Mais on l'aime bien, c'est le nôtre, hein. On le change pas. Hein. Tu sais, c'est un peu comme une roue défectueuse d'un fauteuil roulant, tu la laisses là. Elle fonctionne encore, quoi. Elle est défectueuse, mais elle fonctionne. J'ai une idée. Qui me turlute. Oui, ne pas clipper, s'il vous plaît. Non. Tu crois que ça passe, ça, Scrat, dans un monde? Déployer la foreuse. Eh, mais en vrai... Oui, Mélagan. Mec, si on la pose sur une planète, on peut forer. Rétracter. Je répète qu'après, je peux l'expulser, normalement. Si je suis pas trop con. Séparateur vertical, je peux l'expulser. Pour avoir fait le plein. Oh, il y a un monde où on rentre, les amis, avec ça. Il y a aussi un monde où on décolle pas plus de 10 mètres. Mais après, ça, c'est un autre sujet. On teste. Qui est chaud pour tester avec moi? Qui est chaud? Annoncez-vous dans le chat si vous êtes chaud. On a 4 réacteurs ici. En suivant, on va devoir les découpler. Ça sera ici. En suivant... Pourquoi un bouton plus est barré? Va savoir. Il y aura le réacteur final. Finalement, je suis moyen chaud pour celui-ci parce que ça sert à rien de mettre autant de poussée. On sera dans le vide. Autant mettre un machin. Ok, speak. Hello, Crazy Kowalski. La bonne surprise. Oh, mais attends. T'es pas au bout de tes peines, copain. Assieds-toi, prends-toi une meilleure bière comme nous et moque-toi. C'est en fait... C'est vas-y, c'est cartouche land ici. Tu sais qu'il y a des boosters. Scrat, de suite, tu complexifies les choses. L'idée, c'est de rire, hein. D'accord? Ah, ergol liquide. Mais voilà pourquoi on se faisait chier avec de... Non, dis-moi pas, faut que je change tout. Putain, il y avait un moteur avec 1000 kN de poussée. Ouais, mode sandbox, effectivement, crazy. C'est Malar qui l'a bien spoté, la ref, c'est que KSP2 sort dans 2 jours, 2 ou 3 jours. Quelqu'un a la date exacte? Je suis nul en date, s'il vous plaît. Après, si j'ai un peu honte de pas connaître la date, non, m'en bat les couilles, mais... Mais l'idée, c'est qu'on lance quelque chose avant la fin du stream. J'ai bien envie de faire des mercredis KSP trollesques. Mais voilà. Il y a un monde où ça passe, non? Non. Celui qui a dit oui au fond, tu sors, hein. Dans une semaine, il y a 7 jours. Merci, je vois que t'as pris au pied de la lettre le stream, on tire à balles réelles. C'est bien. C'est très très bien. Je me sens si seul. J'ai si froid. Pourquoi tu te colles pas, toi? Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle, on est obligé de recommencer. J'ai pris une décision radicale au radical. C'est qu'au centre, ce sera full ergol liquide parce que... Non! Il faut de l'ergol liquide au centre, on va pas y arriver sinon. Elle va pousser 10 minutes, ça va nous faire rigoler. Enfin, 10 secondes, enfin, nous faire rigoler 10 secondes, mais après, on va vite se faire un petit peu us-us, tu vois. Le mec, je suis pas décidé, j'ai rajouté un étage. Franchement, la navette spatiale américaine, si c'était moi qui l'ai construite, franchement, ça aurait eu de la gueule, les gars, je vous le dis. Je vois pas le problème. Est-ce que vous êtes d'accord sur le is-okay?
Et le train d'atterrissage du mauvais côté, mais ça c'est un détail. Point de détail. C'est quoi l'objectif si on a un la Mune, Crazy Kowalski d'abord. Essayer de se poser sur la Mune, si possible en marche arrière. Forer quelque chose. On a mis un réservoir. Ah non, on a oublié le réservoir. Et voilà mon problème. On a oublié le réservoir. On n'a pas pu faire le plein. Oh le seum! J'ai oublié le réservoir. Faut faire le plein ici. Ben oui. Un monde où ça passe ce réservoir. Et franchement, si KSPL dit, ça passe. Hein. On va mettre des petites batteries sur les côtés. J'ai dit, il faut lancer à 19h30, c'est dans 5 minutes, on est dans la merde. Officiellement, on est dans une énorme merde. Hein. Je rappelle, il faut lancer dans 5 minutes. Non, mais je l'ai fait. Monk. 2. Je sens que 2 ne va pas suffire. Voilà, 4 panneaux photovoltaïques. Je l'ai collé où? Tout en bas. C'est vrai, Charogne. Parce qu'il est fait en carbone qui vient de la cano. Et du coup, ils ont tous dit que c'était de la grosse daube. N'achetez pas votre carbone à la cano. C'est ça, non? Non, parce que tant qu'on est dans les tirs à balles réelles, moi je me suis dit que j'allais rentrer dedans, tu vois. À Sainte-Hélène, pardon, Sainte-Hélène. Coucou Pichou! On tente des choses. Si tu viens pour l'esthétisme, ce n'est pas le bon string. Pourquoi j'ai deux... Pourquoi? 4, toujours plus. Ok, du bon côté. On va mettre vite fait la coiffe. Ne prends pas la coiffe. Me dis pas, c'est à cause des trucs à la con qu'il y a dedans. Si. C'est à cause de eux là. On verra ça après. On n'y va pas, c'est parce que j'ai pas centré ça. J'ai pas mis une coiffe assez grosse, tu le vis. C'est la coiffe n'est pas assez grosse. Tant pis, on va mettre une coiffe plus grosse. Tu veux une coiffe plus grosse? C'est ça que tu veux? On l'appelle coiffe aérodynamique 2000. Voilà. Elle ça va. Elle est totalement aérodynamique. Je vous avais prévenu, elle est aérodynamique. Au moins, elle est raccord avec le reste. Allez-y, moquez-vous. Faites-vous plaisir. C'est mercredi. Les boosters maintenant. Les boosters. Il nous reste combien de temps? 2 minutes. Ça va être un problème. Ça va être un problème, les boosters, je sens. Je sais pas pourquoi je le sens. Undos 13 Quattro, c'est ça. Espagnol LV1. Surdimensionné? À peine. Je suis concentré là. C'est un peu le compte à rebours, je m'excuse sur le chat. Franchement, 3 fois R. Est-ce que vous pensez au moins que... Oh putain, on a oublié le moteur ici. Il nous reste quoi? Il nous reste 1 minute. Argol liquide, 1000. Non, pas 4. Non, pas... 1. Argol liquide, hein. Tu me fous pas de... Argol liquide. Qui pense que ça décolle? On dirait une collerette pour les chiens. Oh oui, c'est vrai.
mais dedans renferme une super foreuse qui va en plus surchauffer parce que j'ai oublié. Je me rappelle de ça, il faut des panneaux thermiques parce que ça surchauffe cette merde. Ah, 29, vite, 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 vite. Mais colle-toi dessus! Non! Bon, bah on a mis un panneau. Pourquoi l'autre marche pas? Con de mime. Halt, 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 vite. Il est 29. Toujours en discussion. On est en discussion, Zozo. On discute. À part que le but du jeu était pendant la discussion de lancer un petit quelque chose, tu vois. Mais on discute. Mais clic, trou de balle. T'aimes bien la doublelle? Moi aussi, Scratch, j'aime bien la doublelle. Ah, on a oublié le... On a oublié le... Oh, il est 30, il est 30. Franchement, vous avez rien vu. Sol, structure. Où c'est? Putain, j'ai oublié. Franchement, si on vous demande, vous avez rien vu, hein. D'accord? On fait comme ça, les copains. x4. Mais nique... Mouk. Non, mais sinon, ça décollera jamais, hein. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Alors, du coup, ça nous fait quoi? 4 boosters plus 4 réacteurs. Plus 4 propulseurs Undo Stress Quattro. Ça sépare. Oui, en fait, non. Ouais, on n'a pas fait l'étagement, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est franchement nécessaire? Oui. La coiffe en 3, ça aurait été un peu nul. Allez! On sépare tout ça. Ok. La coiffe, non. La coiffe plus tard. Le réacteur au milieu, oui. Ça me paraît bien. Un cône sur chaque booster pour l'aérodynamisme. Je suis pas sûr qu'il les mérite, mais écoute, why not, hein. Bon, je pense que ça explosera avant. Tu veux mon avis, ça explosera bien avant. Dégagez l'air de lancement. Ouais, ouais, dégagez. Je pense que... Ou attends, on a mis un pilote là-dedans? Non, attendez. Est-ce qu'on a mis un pilote? Mon petit dame me dit qu'on a peut-être oublié un pilote. Mais non, il y en a 3. Regardez. Mon regard, ça se passe pas très très bien ici. Twink, 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 twink. Oh là, non plus. Mec, si ça décolle. On la regarde ensemble, déjà la merveille. On l'appelle Pétard Mouillé, je rappelle. Salut Alex, comment ça va? Ça fait un bail, copain. On regarde un petit peu Pétard Mouillé. Moi, je pense que Pétard Mouillé est une œuvre d'art. Et juste... Mais c'est le panthéon de la création et de la sophistication scientifique. Je pense que... On est au firmament, tu vois, vraiment. Moi, ce que je te propose, c'est Falcon, tout à fond, et on regarde ce qui se passe. On appuie sur espace maintenant. Houston, we have a problem. Bon, déjà, ça ne décolle pas. Déjà, ça ne décolle pas. On a un problème. Ça ne décolle pas. Au moins, on vide des argoles solides, de l'aluminium. Et on se dit qu'on a bien fait de venir. Tu vois, on se dit qu'on est bien ici. Le séquencement est pas bon. Bonsoir, John Connor. Comment va? Non, j'aurais peut-être dû mettre les 4 gros boosters avec. Ce qui me permet de faire un petit stop des familles, reprendre le centre spatial. On n'a pas été très très bon. On n'a pas été excessivement bon. Mais je m'aperçois d'une chose. C'est qu'on a dû mettre peut-être un stabilisateur. Il est 33. Certes, on est au-delà du schedule, mais est-ce qu'aucune des missions de la NASA n'a jamais été en retard? Moi, j'ai envie de vous poser la question. Je pense que... Un petit retard pour combler 2-3 petits oublis de design rudimentaires. Non, c'est 4. Il m'en faut 4 stabilisateurs. Franchement, ça passe. Tout petit, on fait 3 fois rien. Si vous vous demandez ce qu'on fait ici,
On avait un petit oubli, trois fois rien. On va mettre l'étagement en dessous. Hop, voilà. Allez, on ferme les yeux, on serre les fesses. Tranquille, Emile. C'est un souffleur géant. Écoute, pour souffler les feuilles, des fois, la NASA, il y a beaucoup de feuilles qui traînent. Je pense, il est temps d'avouer que c'est pratique. Que Ludune... Putain, pourquoi ce prénom ? Franré vous salue. On est sur un décollage approximatif ou approximatif. Nous avons 8 réacteurs à burne. Nous n'avons pas bougé d'un centimètre. Tout est à fond, Houston ? Absolument. Au moins c'est droit. Au moins c'est droit. Au moins c'est droit. Je pense qu'on manque de boosters. On aurait pu rajouter 4-5 boosters aise. Je pense qu'il y a un monde où on rajoute des boosters. Écoutez, on a oublié un booster ou deux. Ça peut arriver, un calcul mathématique un peu par-dessus la jambe. T'as pensé à retirer le frein ? Ça me fait toujours crever de rire. Non, je pense qu'on va retirer peut-être un étage. Peut-être. Trois fois rien. Tu peux me donner juste ça ? Merci. Fois 4. Peut-être que c'était un peu lourd. Je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y avait un monde. Il y avait un petit monde. Pas un gros, hein, mais un tout petit, tu vois. Eh, hey, mais j'avais pas le plus... Ah si, attends, j'ai le plus gros des boosters, combien t'as, toi ? 5800 d'ergols solides. 5800. 16400, mais voilà ! J'ai pas le bon, sur... Ça, merlipopette, j'ai pas le bon. Je présente Jean-Philippe. Le petit booster. Putain. Il y a une partie de moi-même qui me déteste présentement, mais j'adore. On avait oublié aussi un truc. Et là, pour le coup, Houston, on est clairement à la bourre. Mais on comprendra. On comprendra pourquoi. Où sont les structures ? Voilà. Mettez-en 4. Allez, reçu. Voilà. Là, au moins, ça tient. Alors, on commence par... Toujours allumage booster. Allumage. Juste ensuite, des réacteurs. Histoire de rester droit. Ok, donc E d'abord, ensuite E, ensuite on libère ça. Si c'est tenté que ça n'est... Ah, attends, on peut les mettre ensemble. Ouais, allez, go, on les met ensemble. Sinon, on va péter, sinon. Il y a le tonnage. Oui, Sharon, il y a le tonnage, mais... 19h30, mercredi, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire chier avec ça ? Je te pose la question. Elon vient d'appeler, pas besoin de venir demain. Allô, c'est Elon, je crois qu'il y a un petit problème de design. T'inquiète pas, tout va bien. Ah, oh, il y a des jours comme ça, je me déteste. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est pour ça que ça reste en discussion. Imagine, Zozo, on aurait mis Kerbal. Là, t'as la moitié des ricains qui débarquent parce que chez eux, il est midi, tu vois, ils mangent tranquillou leur Pokéball, là, tranquille devant leur PC. Ils viennent m'insulter, là, et en ricain, et ils auraient raison. Alors qu'en discussion, tu passes en soum-soum, tu mets pas Kerbal, ça passe, tu vois. T'as pas attaché tes boosters en roue. Non. Non, clairement pas, là. Là, je pense que même eux, ils se disent, mec, j'ai envie de me barrer, tu vois. Je pense que là, il est 19h30, je débauche, tu vois. Et on a vu un beau pétard. Reprendre le vol, je suis pas sûr. Centre spatial me semble être une bonne idée. T'es limité à une attache, de toute façon ? Non, tu peux en mettre plus. Tu peux en mettre plus, des attaches. Moi, j'en ai mis... Sur mon Mac, des fois je lance des fusées le soir, oui, mais pas depuis 3 ans. Mais ça m'est arrivé avec Huge dans le train. Ah oui, faut que je vous raconte une histoire. On est dans le train et on va voir Touché Coulé qui habitait Paris à l'époque. Et c'était en 2017. Je venais de recevoir donc mon nouveau MacBook.
Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a à faire pendant 3 heures de train? À l'époque, on se faisait quand même bien chier très rapidement, tu remarqueras. On va lancer un petit carbal. Je vous rappelle qu'on a lancé une fusée dans le train. On explose de rire, tout explose. La moitié du wagon qui se retourne, qui regarde Yuji et moi. En mode... Solitude... Mais tu vois, une attache, c'est rien, il faut en mettre plus des attaches. Ah, j'en ai pas mis là-haut. Hérésie, voyons. Et voilà, là ça tient. Ça tient aise. Si je descends tout le temps, tu me diras, est-ce qu'on gagne pas un peu de temps? Allez, à un moment donné, faut décoller quand même, Cross. On n'a pas passé une atmosphère. Ah, mais les attaches, tu parles des attaches, les... Oui, d'accord. Non, je parlais juste des petits câbles. Moi, je mets des câbles, j'en mets 800 000. Hein. Vous voyez ce petit doink, 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 ça va être si drôle. Mais lui, il sait. Lui, en bas, il sait. Il sait qu'il va se passer un truc pas très net. Vous voyez, c'est la surprise. Allez, moi, je dis celle-ci, on passe au moins l'espace, quand même. On est venu ici pour ça, on va allumer les lumières. Attends. Roue de... Non. Inventaire... Allumez la lumière. Allez. Comme dirait Axel Bauer. That's what I'm talking about. Ce décollage à la verticale. On prend des mètres. Comptez avec moi le chat. 500. On va commencer une petite rota. Totalement maîtrisé cette rota. On a passé les 2 km, Crazy, tu te calmes. Nous sommes bientôt à 3 km. 3 km, top à la vachette. 3 km. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà à 4 km. Le mont Everest n'est pas si loin. Et hop, c'est dépassé. À une poussée de 270 mètres seconde. On l'appelle l'énorme sexe, et oui. Voilà les médisants, vous ravalez votre souris, votre clavier, s'il vous plaît. Vous gobez les deux ensemble. 300 mètres secondes, eh oui, Alex. 400. Nous arrivons à une altitude impressionnante de type... Oh là là, l'apogée. L'apoapsi, 20 km. Énorme chibre. Non, bientôt la chibre, le 29 mars, France. Oui, c'est vrai. 600 mètres secondes. On passe une couche de plus en plus fine de l'atmosphère. Maintenant, Houston, Olizok. Olizok, je répète, Olizok. On baisse un peu les propulsions parce qu'on chauffe. Mais Olizok, je répète, Olizok. La barrière est à 100 km, je rappelle, 100 km. Non, mais cherchez pas, c'est la butte chocolatine. C'est la butte talent. Talent, je pense que t'as le seum. Ne te mens pas à toi-même, alors je le sais, je le sens, je le vois. On n'est même pas à la moitié. J'aurais pu expulser les salés. Il y a une partie de moi qui a commencé à dire ça dégage. J'ai pas été très bon dans mon délire. Je sais pourquoi en plus, c'est que j'aurais dû rester droit, fin des boosters, les dégager. On avait du poids en trop. Cela dit, on était au ras de la quéquette de passer dans l'espace, et vous-même vous le savez. Vous le savez, bande de rageux, on y va, on y retourne, on est solide. Alors, faut que je check les ergols solides. Sa maman, je les ai oubliés, eux. Pourquoi tu bouges, toi? Pourquoi il a pas papa Parkinson, lui, là-haut? Il va se calmer. J'avoue le boulet, j'avoue. J'étais un peu trop fier, un peu trop sûr, là. T'étais à deux doigts. Tu veux pas un whisky d'abord, Boboche? Trou de balle. Boboche sait que c'est un compliment vis-à-vis de tout ce qu'on se met lui et moi sur Twitter. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de mal le prendre. Trou de balle quand même. Un peu comme Bitos, tu vois. Gros trou de balle. Heureusement que Bitos n'a pas Twitter d'ailleurs. J'arrêterai pas de l'insulter sinon. Ergol solide. Mais non, il y a un canard. Je t'ai vu lancer des baguettes. T'as quelque chose à compenser? Ça se passe bien sur Poudlard? Attends, je me concentre parce que là on est un peu. J'ai un peu ripé.
Là. 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 Je me redresse. Je me redresse. Tout se passe bien. On est bientôt à la fin des ergols solides. Attendez. Attendez. Ne riez pas. Bientôt. 3, 2, 1. On détache. Ça dégage. Oui. Non. Tout va bien. On a rien. Ça a un peu pété, mais on a rien. On est beaucoup plus léger. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. Ça a fait boum, je sais pas pourquoi. C'était juste un effet graphique, ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On dirait Oblivion, mais en mieux. La NASA, si vous voulez mon numéro, vous hésitez surtout pas. Elon, je t'attends demain au bureau. 9h. Enfin, 8h, plus précisément. J'ai regardé Don't Look Up. Il est génial, Don't Look Up. Génial. Il est juste magique, ce film. C'est tellement ce qui se passerait en plus. Tellement. On va pouvoir cut bientôt. 104, 105. On va cut. On va cut, écoute. On a une poussée de combien à faire. Donc on va faire une petite manœuvre. La manœuvre ici présente, ajouter une manœuvre. Marquez, je suis vachement concentré. 93, c'est pas suffisant. 95, c'est pas suffisant. Non ! Ma manœuvre ! ...99 n'est pas suffisant, 101 est suffisant. Donc il faut que je burn... ...une minute et une seconde. Putain, ça va être long. Mec, Evenline, mais jure ! T'as déjà vu un vaisseau aussi beau ? Moi, je pense pas. Je suis en train de me dire qu'il n'y a aucun des panneaux photovoltaïques que je peux déployer sans le péter, en fait. Donc là, on est coincé avec nos 4 énormes boosters de turfu. Franchement, qui y croyait à l'espace ici, il y a 10 minutes? Qui y croyait? Z, je suis sûr que personne ici n'y croyait. On est dans l'espace, Jack. On m'a dit 19h30, il est 46. La coiffe, déployée. Hop là, ça dégage. Regardez-moi ça, cette animation de toute beauté. Bon, c'est un peu surdimensionné, mais ils ok. Le nœud est dans 36 secondes. Le nœud, vous le voyez ici. Qui va venir, il faut que je fasse ma poussée max dans 36 secondes. 30 secondes. Apoapsis, 111 000 mètres, soit 111 km, 20 secondes. Houston, are you ready? Moi, je pense qu'on est bien là. La lune, next step, hein. Allez, countdown. 10, 9, 8, 7. On dit que c'est un château d'eau. Oh, franchement, t'es médisant, elle est trop belle. 2, 1, go! On pousse. Allez, madame, poussez. Regardez-moi ça. Mais il n'y a aucun angle où cette fusée est moche. C'est juste de l'art. Il nous reste encore un peu de fuel. Ça va. Encore 36 secondes à tenir, Cross. Allez, 34, 33. Pour au moins être en orbite, je précise. Tout ça, on l'a fait à Vista Denas. Hein. Vraiment, c'est... On n'a rien regardé. On a fait un essai infructueux. Deuxième essai fructueux moins. Ok, moins tiers. Genre Bitos qui joue Yamato, mais troisième essai était bon. Nous sommes en orbite, cordialement. Est-ce que nous sommes en orbite? Le Péri, 109 km. La Pau, 278 km. Où est la Mune? Là. Mec, il y a un monde. Ou directement ici, si je me la joue bien, en une manœuvre, j'atterris sur la Lune. Je suis pas giga centré, mais il y a un monde où ça passe. Hein. Merde, je vais l'overshoot. Je l'overshoot la Lune. Non, je l'overshoot.
Ça aurait été si beau. Attends, non. Non, non, non. Non, 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 ça passe. Ça passe. En one shot, on peut faire la mune. Faut que je burn 20 secondes. On les a. On les a big time, les 20 secondes. Et ici, quand on va arriver à l'apoapsis, ici, il faut que je réduise avec une manœuvre là, si je suis pas trop con, pour entrer en orbite sur la Lune. Enfin, si je suis pas trop con, j'ai dit. Hein. Ce qui est loin d'être fait. Ouais, donc là, je suis officiellement con. Donc c'est pas là que je vais la faire. On ne veut pas de cette manœuvre. À quel moment je dois réduire? J'arrive. Carbine, périastre de la Lune. C'est ici que je dois la faire? De fuck! Je suis parti me faire un round trip là. Ouh, ça c'est violent, chaud, moche ça. Où je l'avais? Ça, si ça passe, les copains. Si ça passe. Si ça passe. Je l'avais. Non, j'ai pas appuyé sur la mauvaise touche. Pas du tout. Donc, je suis là. Mais en vrai, je l'avais, hein. Là, je pars là. Et j'ai avoir une apo de la mune. Et une péri de la mune. C'est bon. C'est bon, je l'ai. On va sauvegarder. On va l'appeler pétard mouillé 1. C'est pas que j'ai pas envie de... 1. Tu m'as compris. Notre pétard mouillé est toujours là. Imagine, je vais les sauver. J'arrive, les gars. Dans ça, jamais de la vie nous sauve, gars. Qu'est-ce qu'il y a, Malard? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas joué à ce jeu depuis 3 ans. Calme-toi. J'aime bien les défis du mercredi. Donc, dans 35 minutes, on va accélérer un peu le temps. On me rappelle que c'est là. On se fait à moitié chier, quand même. Hein. Le truc, c'est que je laisse toujours une petite minute quand même pour qu'elle se réoriente. Parce qu'elle est un peu grosse quand même, cette mistinguette. Voilà, 5 minutes. On va accélérer le temps doucement. Je sais pas pourquoi je sens que je n'y suis pas. C'est quoi cette manœuvre? Je veux cette manœuvre, on est d'accord, hein, Jean-Claude. Mon petit doigt me dit que pour l'instant, celle-ci, je vais l'enlever. Bien ce que je pensais. Le RCS, s'il te plaît. Vite. Vite, de type vite. Franchement, ils sont hyper joyeux, Alex. Ils sont trop contents d'être là où ils sont. Regarde-les. Là. Ils ont enfin compris qu'ils sont dans une vraie fusée de bonhomme. La mune est là-bas. On a quoi? On a, je rappelle, on a des trains d'atterrissage. On a des panneaux photovoltaïques. On a de la nourriture. On est bien, on est bien, on est bien. On va pas overshoot. Le RCS en PLS, franchement, il a donf. Il nous reste combien? Pas tant que ça. Ah oui, il s'agirait de tourner, cher ami. Oh merde, j'avais oublié la réserve de kérosène pour mono-ergol. Ça va pas bien se passer, bye bye. Je suis obligé de le sauver, le RCS. Ça sent là les simples pour le vide spatial. De suite, de suite. Archonte, de suite.
Moi, je pense que oui, mais faut pas le dire, tu vois. Elle est trop belle. Je suis sûr qu'il y a la moitié de ceux qui ont Carval qui vont tenter un truc similaire en plus. Et vous voulez pas me le dire parce que vous m'aimez pas. Mais je le sais. Vous allez le faire quand même un soir en vous planquant avec votre Mac là ou avec votre PC en mode. Ah, et ça marche bien en fait, c'est marrant. Tout le monde l'a fait cette fusée, tout le monde. Dans un moment de faiblesse. C'est non. Mais Scrat, d'un côté, tu es. Tu n'es pas comme nous tous. Allez, 6 secondes. Nous ne sommes qu'à 2348 mètres secondes. 1. Poussée de 20 secondes. On s'y tient en 20 secondes. Ça passe. Il nous reste encore du fuel, hein. Pour le gros freinage du turfu là-bas. Il nous reste du fuel. On est bon. Ah, fuck, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Faut que je fasse du rétrograde. Au 7 pour les membres d'équipage. Ils étaient si heureux. Là, ils vont overshoot big time la mune. Ils sont dans une orbite un peu elliptique. Un peu elliptique. Merde! Faut que je fasse du rétrograde et vite! Oui! Attends, elle se retourne, tout n'est pas fini. On met un coup de RCS, elle se retourne, elle est un peu. Elle a de l'embonpoint cette fusée, mais elle est belle, tu vois. Elle a une beauté intacte et c'est un rocher brut, quoi. On est presque en rétrograde. Refais une approche. T'inquiète. Regarde. On va booster doucement dans l'autre sens, dans le sens inverse. On va faire un peu de rétrograde pour essayer de d'accrocher l'orbite de la Lune. Non, on va attendre autant de révolte qu'il faut. J'ai plus beaucoup de carburant, je te rappelle. Oui, voilà, un gros bloc de granit bien, bien tassé quand même. Ma trage, elles sont là à rendre, mais. De suite, les gros mots, elle est trop bien. Autant de jalousie d'un seul petit homme à l'art. Tu me fais mal, tu sais, Atlien. Tu me fais mal. Moi, je pense qu'on va déployer ça. Ouais, on déploie la foreuse. On sait jamais, ça peut faire un coup d'aérofrein, quoi. Mec, si je vais me... J'ai cru que j'allais m'auto-perforer le truc. Attends. On l'accroche la mine ou quoi? Oh, on l'a, j'ai tout coupé à l'instant même où on l'avait. On l'a. Là, objectif est devenu vers l'infini et l'au-delà, n'est-ce pas? Je paraphrase. Est devenu objectif mune en un coup. Oh là 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 là, mais quel talent. Il faut que je me mette comme ceci. La prochaine révolte, donc c'est un burn de 6 secondes. Mais on l'a, la 6 secondes. C'est la plateforme sur le pif qui donne tout son charme. Mais elle est trop belle, regardez-la. Là, j'ai qu'une envie, c'est qu'on fasse un gros coup de frein pour aller chercher l'orbite de la Lune et qu'on les expulse en mode Elon Musk. Non, même pas, en plus, non, mais c'est en mode Ariane Espace. Oui, parce qu'Ariane, ils reviennent pas les boosters. Et qu'on observe ce qu'il en reste. Putain, j'ai cru que j'avais perdu la dérive, mais non, elle est bien là, la dérive, avec le flap et tout. Regardez-moi ça, sans RCS, elle tourne. Elle a une inertie, cette fusée. Une inertie, vous m'entendez? Elle est belle. Moi, je suis fan de ma fusée, 3 secondes. Non, parce qu'en vrai, si on prend l'ordre chronologique de ce stream, qui n'en est pas un, qui est surtout une discussion avant tout, ça fait plaisir de vous retrouver après une semaine de disette. On l'a créé en quoi, cette fusée? 5 minutes? En même temps, je vous disais bonjour, en même temps, on déconnait, en même temps, je prenais une boîte de malard, plus une de bitos, espèce de trou de balle. En vrai, on l'a construit avec une manœuvre en slip, cette fusée. Et au final, on est dans l'espace, on va vers la Lune. Moi, je trouve que tout est bon. En vrai, si on fait une... Ne serait-ce qu'être en orbite de la Lune, moi, c'est la win.
Instant win. Instant win. Le nœud dans 1 jour et 3 heures, je vous propose, c'est qu'on fasse un stream 24 heures, parce qu'on m'avait dit, la Ori m'avait dit, Cross, tu dois un stream 24 heures à la commu, c'est vrai. Est-ce qu'on peut compter 1 jour, 3 heures et 42 minutes comme un stream 24 heures? Moi, je pense que oui. Allez, c'est parti. Stream 24 heures. J'ai dit que j'ai sauvegardé aussi. Ah, c'est après un discours de Poutine, Archon, que j'ai eu envie de lancer ce stream. L'autre, il parlait de ses missiles à la con, là. Et qu'en plus, il a fait un test de pétard mouillé, notre cher ami russe. Il n'y a plus que 48 minutes dans ce stream de 24 heures, les amis. Moi, c'était un kiff énorme, ce stream de 24 heures. J'ai kiffé de bout en bout. On arrive bientôt à la mune, on a un peu les cernes, mais tout va bien. T'es assez ébahi. Moi, pas. Hein. Franchement, elle est pas ouf non plus, faut pas déconner. La team Premier Dog, en vrai, il y a quand même bien mieux, bien plus économique. Bien plus beau à faire. Team Premier Dog off, elle est trop belle, tu te tais. D'ailleurs, ça fera avaler un petit peu la langue de Monsieur Malard qui dit matrage sans le hareng. Au final, matrage, elle est parfaite. Juste que ce type n'a aucun goût. C'est QFD, il roule en Alfa Romeo. Alors, mec, t'es arrivé déjà que t'es gros crampons. Laisse-moi te dire que t'allais pas passer la barre des poules. Ok. Je vous propose, nous allons nous mettre en vue de l'espace. Nous sommes ici. Nœud dans une minute. On peut attendre une petite minute. Le temps de regarder un petit peu le chat. Avec Nombo de l'espace de suite. C'était sûr. J'attendais la réponse, j'en étais persuadé. Je savais qu'elle allait venir de ce type-là. Exactement au même endroit, au même moment. Elle est trop bien, Mercedes, elle a 12 ans maintenant. Laisse mamie tranquille, elle est en panne. Un bloc de granit, c'est vraiment là. Si ça tombe, ça, oui. Chez moi, il y a pareil, c'est un château d'eau. Doucement crazy, parce que c'est grâce à un château d'eau que j'ai internet aujourd'hui que je peux streamer. Donc je vais pas trop me moquer des châteaux d'eau. Allez, 6 secondes et on accroche la mine. Allez, 6 secondes de burn. Dans 10 secondes. Après ce stream de 24 heures riche en émotions, en fun et en fusée gigabelle, l'instant de burn, c'est dans 3, 2, 1. 6 secondes, let's go. Et on cut dès qu'on arrive dans l'orbite de la mine. Messieurs, dames. Nous sommes officiellement, il est 20h02, en orbite de la Mune. Moi, je demande un tonnerre d'applaudissements. Je pense que... Oui, on le mérite. Et elle le mérite, cette fusée. Elle a tout donné. Je suis en train de me dire quoi. Durée de burn, 3 secondes. On rappelle que la gravité de notre ami et notre sœur la Mune est juste ridiculement petite. On va essayer d'atterrir surtout. On va essayer d'atterrir. Ça, c'est l'autre trou de balle. 1,58. C'est une vraie valeur le DAF? Je savais pas. Je la connais pas, tu me diras. Je suis en train de me dire. Plutôt qu'overshoot, on va faire un truc utile, qu'on n'est pas très loin. Voilà, 11 000.
Durée de burn 0,7. Mieux dans 1 jour et 3 heures. Et bien on se retrouve encore sur un deuxième stream 24 heures. Bon, moi on pourra le dire que c'était fait le stream 24 heures. Vous pouvez le dire à Laori, hein, s'il vous plaît, passez le mot. Cross a fait son stream 24 heures, hein, mercredi. Et c'était fun. Je connais la blague de elle va me faire suer. On va la rétracter. Je rappelle que elle va nous servir de faire le plein de elle pour rentrer sur Terre. Oui, oui. Il y a un lore, il y a un vrai lore là-dedans. Il y a une vraie suite. Ce n'est pas juste un stream crash test. C'est un stream je rentre chez moi. 20h04. On est en phase. Il nous reste 1 jour 3 heures. Ça fait un peu long. On va un petit peu booster. Je vais sauvegarder. Quand même, on n'est pas des sauvages ici. On va l'appeler Orbit. Mune 1. On est en orbite, on tente un move. Et 2 heures, c'est un peu long. Mais oui, on fait le plein. D'où la foreuse, Malard? D'où la foreuse? Je rappelle qu'on a un train d'atterrissage. On peut faire des miracles. Avec le nombre de retry proportionnel au nombre de réacteurs, mais en vrai, non, on peut le faire, hein. Je pense qu'il y a un monde où on le fait, hein. J'ai pas dit qu'on y arrive à tous les coups, mais en one shot, certainement pas. Mais il y a un monde où ça se tente. Qu'est-ce qu'il y a, Wally? Eh, c'est quand même beaucoup mieux que Age of Empires, ça, hein. Regarde-moi ça. Elon Musk m'appelle. Attendez, j'ai Elon Musk qui m'appelle. Merde, putain. Je crois que j'ai l'antenne. J'ai appuyé sur un zer. Non, mais Elon, j'ai appuyé sur un zer là. Laisse-moi tranquille. Non, mais on joue avec des. En fait, c'est une vidéo préenregistrée d'il y a 6 mois. Ça va. Je vois que ma larme écrit même sur WhatsApp en plus. Cette espèce de trou de balle, il tente de me déconcentrer. Je le savais. Je savais bien que t'étais comme ça. 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir sur la Lune. J'ai pas dit proprement. J'ai pas dit de quelle manière. J'ai dit atterrir. Ça peut être un crash. Non mais la manœuvre, tu peux juste te... Ah oui, c'est là. Nous allons du coup avoir un périapside de 9900. Je crois qu'en plus il y a des monts qui dépassent. Je crois qu'il y a des monts qui dépassent 6 km sur la Lune. Donc l'idée, ça va être en rétrograde maintenant. On peut se mettre en rétrograde. Et puis on va prier. RCS to the rescue, le mono ergol. Petit tour demi. Parce que là, il va falloir freiner, donc il faut le cul par là-bas. T'es dans mon canal, je suis mute. Oui, exact. Bonsoir, Wally. Monsieur Cross. Comment ça va-t-il bien? Ça va, et toi? Mais écoute, je m'éclate dans mes fusées, puis je vais aller manger après, et je pense qu'on va tenter un atterrissage mune. Mm-hmm. D'accord. Tu penses quoi de ma fusée? Elle est belle? Elle est trop belle? J'en pense rien du tout. Là, je suis plus sur ton stream, je suis en train de jouer. Ah, tu me fais mal au cœur quand tu dis ça, hein. Tu sais, hein. On va se faire casser la gueule, là, par contre. Putain. Non, mais je pensais que t'allais me parler moins de ma fusée, quoi. C'est un peu le sujet. Au départ, je t'ai vu avec ta fusée, que t'essayais de la construire. C'était un peu... C'était. Je te prie de faire attention à ce que tu vas dire. T'as l'air d'avoir du mal. Négatif. Voyez, il n'y en a rien à battre. Et ça, c'est des Belges, tu remarqueras, le DAF. Ils en ont toujours rien à battre. Il n'y en a rien à battre, mais genre. C'est marrant, ça. Hein, je ne suis pas venu pour t'embêter. Hein. Alors, on a tous des avis propres, hein, tu sais. Hein. Je connais le Belge. Prouve-le-moi. Pour le moins. 8. Où est la mune? Elle est là. J'ai cru que j'avais perdu. Bon, j'aimerais bien, c'est que là, ça commence à baisser. Le fameux trou de balle de Belge.
Eh oui, t'as le bonjour de Daffy, Wally. Hein. Bonjour Daffy. Vous êtes de la même ville ou pas? Hein? Hein? D'accord. De quoi tu me parles? Non mais c'est bien ce que j'ai cru comprendre, c'est que... T'as pas compris ce que j'ai dit, hein. Et tu me dis que j'ai le bonjour de Daffy, mais... Non, j'ai dit vous êtes de la même ville. C'est magnifique, Karedas, oui. KSP2. Mais oui, mais apparemment, il faut une machine du démon pour la faire tourner. Il doit être flémal. Si vous le dites. Il pense que je viens de flémal, c'est ça qu'il a dit? Bah écoute, t'as qu'à venir sur mon stream, écoute, je suis pas non plus... je suis pas non plus GLS de messages interposés, hein. C'est chiant, hein. Ah bah ça, si j'étais pas pénible, ça se saurait quand même. Oh putain, bon allez, hop. Ah bah voilà, hop. Écran. Tu joues avec des mods? Aucun. C'était le mode de ces mercredis. Et je voulais pas me faire insulter par toute la commu qui adore ce jeu, qui va me dire que c'est une fusée de merde et que c'est totalement disproportionné. Je vais jouer avec la commu... Ouais, il doit être de flémal. Non, absolument pas. Moi, je pense qu'il ment, mais après, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, voilà, on a fait une discussion. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je prends aussi le temps de lire mon chat, ce qui me fait aussi plaisir. C'est une œuvre d'art, oui. Flémal, je viens de... Allez, on va dire du sortilement au départ. Il joue au talent. Essentiellement. Et puis visé. Voilà. Eh ben personne n'est parfait. J'avais que ça comme réparti. Non, du tout, non. Ougré, non merci. Ougré, serein, bah. Ok, apparemment on joue maintenant un géoguesseur d'ailleurs, si vous êtes bon. Ouais. Mode Vanilla, exactement, Karedas. Tu viens d'où toi, les affis? Ah, Namurois. Ok. J'allais assez souvent du côté de Namur quand je jouais au football américain à Anden. Alors, le football américain, il y a des équipes... Non, je plaisante. Il y a des équipes en Belgique ou... J'ai peur de la team Premier Doc. Il y a même une équipe nationale, si tu veux tout savoir. J'ai vraiment peur de la team Premier Doc qui va me dire... J'allais dire, le football américain, c'est aux États-Unis, mais... Tu sais qu'il y a de très bonnes équipes de football américain en France. Je n'en doute absolument pas. C'est pour ça que je voulais éviter la team Premier Dog, mais... Alors, où en sommes-nous? Je t'aime bien. La team Premier Dog, j'adore. Ouais. Grizzlies? Non, les Bears. Les Bears d'Anden. Ils ont planqué les deux ans. Wiles. Je vais mettre un point ici. Je sais que je vais commencer à freiner par là. Node dans une heure. Ok. J'ai Daf qui drop des blasts dans le chat. J'adore. Ah bah oui, Nico, oui, bien sûr, c'était le capitaine de un des capitaines de l'équipe à l'époque où je jouais là-bas. Il est parti au Verviers Mustangs, puis je crois qu'il est revenu justement à Anden il n'y a pas si longtemps que ça. On se croit à Houston, j'aurais... Qui fait y aller, Alex, à Houston? J'étais bloqué à Los Angeles, mais c'est vrai que tout le côté touristique, j'ai dit que j'attendrais d'y retourner avec ma femme. Il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, il y a 15 kilos de chiens qui sont arrivés. Mais ouais, j'en démords pas qu'il faut que je vois absolument, je voulais y aller. Ce qui a fait d'ailleurs penser que j'ai un de mes clients qui offrait à ses collaborateurs un gain d'un voyage à Cap Canaveral. J'étais d'une jalousie quand j'ai vu ça. D'une jalousie. Tout que je me dis, ça trouve le site qui va le gagner, il s'en bat la race totalement. Alors moi, ça serait un rêve de gosse. Mais blague à part, j'adorerais leur tomber le jour ou être encore vivant le jour où on dira, tiens, on refait une fusée type Space Shuttle version 2.0. Même si je sais qu'elle ressemblera jamais à ça. Quoique, si s'inspire de mon design royalties, hein. Mais ouais,
J'aimerais beaucoup soit de mon vivant. Même si j'en doute un peu. 600 mètres seconde, 46 km. Moi, je pense qu'on peut avancer un peu, on a quand même de gros boosters derrière. J'étais persuadé qu'il m'avait tort pour celui-là. D'accord. Le mieux c'est Kourou. Jamais été, mais là, grand. Guyane non plus, jamais été. Le Starfip. Full réutilisable. Ouais, pour l'instant, c'est full, je me crache au bout de 150 mètres. Hein. Tu veux vous moquer de ma fusée, mais Starship, c'est pas beaucoup mieux que ce qui se passe à l'écran. Hein. Pour l'instant. 15 km. On est safe. On est safe. Si ce n'est que j'aurais dû prendre plus de mono-ergol. Ça fait un peu chier d'avoir oublié ça. La charge électrique baisse aussi assez drastiquement. Mais j'ai bon espoir de pouvoir les virer après la grosse décélération. La fusée a l'air mieux optimisée que KSP2. C'est vrai que ça fait un peu peur là. J'entendais parler dans le chat tout à l'heure de machine de guerre à 4000 boules. J'en suis loin de la machine de guerre à 4000 boules. Hein. Donc si vous attendez de moi des performances de 3090 ou 4070 minimum, c'est chaud patate quoi. J'ai envie de les éjecter, j'en peux plus. Je vais sauvegarder ici. Je vais l'appeler Approche. Approche Mune. Sauvegarder. Comme ça, au moins, je peux tenter des tests, vu qu'il est déjà 20h16. Il y en a moitié qui sont partis bouffer. Moi, j'ai la faim. J'ai deux cahuètes qui me restent. Bien vu, Alex. Il y a une clé pour KSP2, mais pas besoin de la donner au chat, qui me la donne à moi. Voilà. Est-ce que je rentre définitivement? Oui. On peut dire que oui. Je passe une appo et je redescends. D'accord. Ce qu'il risque de mettre dedans, c'est le mono-ergol. Hein. Qu'il va falloir pour me redresser. Donc s'il sort dans 3 jours, c'est ça vraiment? Tu l'as fait, Cap Canaveral Arcon? C'était fou avec un équipage de fusée en prime. Oh là 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 là, la jalousie, elle est dense en moi. T'as déjà dû prendre des pures photos. Là, j'ai mon cousin qui s'est offert, qui adore aussi l'astronomie, et qui s'est acheté des télescopes dont il faut 3 personnes pour les faire, les mettre en œuvre. Il a fait des photos là, de certaines galaxies. Il s'est offert un voyage au Népal, justement l'un des endroits les plus hauts. J'ai oublié le nom du télescope, je suis désolé. Et il en parlait à la fois, il est giga hypé quoi. Donc, moi j'ai des guitares, lui il a des télescopes, chacun son truc. C'était magique, tu m'étonnes. Je propose qu'on burn, allez, à 9 bornes. Si on est dans le bon sens aussi, ce sera pas mal. Oh, quoique, on va peut-être commencer à burner avant, 490 mètres secondes. Quoique, on a encore quand même du monde derrière. Moi, je préfère les bières. Oui, aussi. Ça marche bien, ça marche très très bien, c'est une valeur sûre, ça, la bière. Ok, on a plus. Non. Il marche à l'ergol liquide. On a de l'ergol liquide. Pourquoi ne marches-tu pas? Non, on va se scratcher. I'm so sorry, bro. Je l'ai pas testé, lui. C'est le seul que j'ai pas testé. Pourquoi tu marches pas?
Privé d'Occident. Il fait de l'Occident. Merde. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que nous allons nous cracher dans une petite montagne. Une toute petite montagne. Vous êtes venus ici. En vrai, hein. J'ai oublié 2-3 trucs. Mais ça va bien se passer, on va mettre les flaps, on va mettre les trains d'atterrissage. T'as la fusée, elle part un peu en couille là, j'ai l'impression. Ouais, j'ai oublié 2-3 trucs. Voilà, c'est bon, ça va bien se passer. Écoutez, serrez les fesses, messieurs, dames, nous sommes en cours d'atterrissage. Serrez les fesses, je vous prie, serrez les fesses. Cordialement, la direction. Ça arrive un peu vite et un mais peu, ça passe, regarde. Bouclier thermique, ouais, ouais. Ma gueule. Voilà, voilà, ça passe. Oh putain, le mec. En vrai, ils sont moyens sereins, du coup. Est-ce que je redémarre? Ah non, je repris d'un point. Mais ça va bien se passer. Ce que je vous propose, messieurs, une petite prière. Je sais pas qui l'avait call. C'est le seul qu'on n'a pas testé, le réacteur du le mid. So long. Mais en vrai, on peut le tirer, hein. On peut le tirer, là. On est un peu lourd. Je propose un découplage. Voilà. So long. Salut la marmaille. Regardez-moi ça. Hop là. Aise. Ouais, aise, tu repars dans l'espace là. Mais t'inquiète, popiette, regarde-moi ça. Je me mets en position aérodynamique. Je t'ai parlé de ma position aérodynamique. Bon, faudra venir nous chercher, mais... Putain, c'est le seul réacteur que j'ai pas testé au mid. Je savais bien qu'il y avait une couille dans le pâté. J'aurais dû le tester avant de partir. J'aurais dû le tester. On veut voir si ça survit ou pas. Moi, j'ai envie de voir si ça survit quand même. Parce qu'on est quand même à 270 mètres secondes. Moi, je pense qu'il y a une bonne pente. Je vais prendre le remboursement de mon billet. Je vais passer une autre compagnie. Oh, Gampad, je suis désolé. J'ai oublié. Je suis désolé, Wilson. Vers l'infini au-delà. Là, vous pouvez y aller. Là, allez-y. C'était sûr qu'il allait manquer un truc. C'est le fameux sous-réacteur, quoi. Attends, je tente une pente. Aérofrein. Non. D'accord. J'entends du boom. Oh. Choqué, déçu. Centre spatial. Remboursé, là. Tu le vis que le seul réacteur que j'ai pas testé, c'était celui... Ah ouais, il y a Léo qui m'a dit de te rappeler qu'elle faisait son stream 24h vendredi. Mais là, on vient de le faire, nous. On vient de le faire. On a passé 24 heures de stream. Là, je suis un peu fatigué. On a fait le tour de la Lune en 24 heures. Je suis giga claquette. Je suis claquette. Putain, dire que tous nos malheurs, c'est lui. Salopard. Et voilà. En vrai, j'aurais mis un petit moteur qui pulse un peu, là. Non, c'est où les gens l'essence? Oh, j'ai oublié, je l'ai vu ça il y a 10 secondes. Mais genre 10 secondes hors taxe, quoi. C'est pas grave. Tu pousses à combien? 400? C'est pas ouf 400 dans le vide. En fait, il faut un qui pousse zéro dans l'atmo et qui pousse à fond dans le vide. Is it possible? Bon. Ça fait un peu chier, ça. J'ai oublié déjà le mono. Où es-tu? Où est-il? Le mono. Il est là. Pile du mono. Ah, ça va rajouter du poids. Au secours.
Oh mais non. Ah mais non. Mais non. Bon. Du coup, on a même pas pu déployer nos panneaux solaires qui sont trop beaux, je suis dégoûté. On retourne à faire encore une fois un changement. Au secours. Tant pis. Ergol liquide, c'est celui-là qu'il me fallait. Depuis le début, on le savait en plus. Donc pas un là. Si, il en manque un. Bon, mais semaine prochaine, on s'y recolle, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, je pars à la Lune. Hein. Faut qu'on atterrisse sur la Lune. J'ai envie d'atterrir en plus. Parce que si j'ai bien capté le délire que j'avais dans ma tête, il faut qu'on atterrisse en marche arrière. Hein. Ce qui peut être assez drôlus, Excellus, d'ailleurs. N'est-ce pas, Wally? Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ta confiance, tu fais bien. Wow. C'est important la confiance. Je suis content que t'aies confiance en moi, ça me fait plaisir, tu vois. Quelque part, ça me rassure, j'ai fait les bons choix de te recruter. J'étais pas encore sûr avant-hier, mais là je suis sûr. Là, attention. Mais quel trou de balle. Dans un clan de trous de balle, on recrute des trous de balle. Eh ben. Je vais te dire de quoi tu te plains alors, hein. Je ne plains pas. Je sais où je mettais les pieds, hein. Ah mais, skip... Ah, skip quoi? Nos regrets, quoi. Ah non, bah non, du tout. Bon mais tant mieux. Une affaire qui roule alors. Bon. Niveau moteur. Je peux remettre mon moteur dans le monde, hein. Y'en a qui ont dit que je regrettais? Non. Ah. Non. Ça y est, t'as refait ton premier Doug. 1000. Combien lui? 4000. 1000, c'est beaucoup quand même. Hein. Et Huge Penny. Voilà, voilà. Même si on le déteste, il faut quand même le noter. Huge Penny, quel trou de balle ce type. Étendu. C'est bon? Ok, semaine prochaine, on la retente. Je vais faire comme un test de tous les moteurs allumés, histoire d'eux. Histoire 2, tu vois, t'as vu, tu vois. On la retente, Houston. On va faire un gros zizir. On va tirer tout droit. Ça sera le mot de la fin. Les amis, je pense qu'il est l'heure d'envoyer encore 3 personnes au décès. Semaine prochaine, rendez-vous même lieu, même heure, hein, je pense. Hein. Ouais. Allez. Wally, tu m'as l'air sympathique et totalement concentré sur mon stream, toi qui dis go. Eh, quoi? Non, je t'ai pas écouté, en fait, t'en as rien à prendre, je sais. Ah bah tant pis. Bon, ça décolle. Casse-burne. Mais je sais que je suis casse-burne. Bon, le moteur central fonctionne, du coup, c'est important. Je sais que c'est chiant, mon Gulus. Ça marche, ça fonctionne. Rendez-vous semaine prochaine, on atterrit sur la Lune. On fait le plein et on rentre. Déploie des panneaux solaires, tout va bien. C'est important, c'est pour la planète. Oh, à céder sous les forces aérodynamiques, c'est dur à entendre. Ah ben enfin, un stream de qualité, mais oui Bratisla, mais oui. Donc, ben voilà, stream 24h fait, on se sera crashé au bout de 24h, c'est un peu triste quand même d'en arriver là, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Moi je vous retrouve vendredi en ce qui me concerne pour la suite des aventures sur Warship et mercredi je pense qu'on a de quoi faire avec une fusée qui ne demande qu'à aller très loin. On va d'abord tenter de visiter la Lune sans l'overshoot, après on aura Minus à aller checker qui va être une autre paire de manches aussi et après ça va être compliqué hein, d'aller chercher Dérès. Eve encore plus chaud d'ailleurs parce qu'on a... Peut-être faudra peut-être ajouter des boosters, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Malar? Bonsoir, Akana. Comment tu vas, copine? Ça va être compliqué d'eau, hein. Qu'elle est belle. Regarde-moi, séparation complete. Avec autant de fusées. Mais oui, ça passe.
pollueur. Bah, vaut mieux le faire dans le jeu vidéo qu'en vrai, hein, j'ai envie de dire, mais oui. Là, pour le coup, la planète, quand tu lances... je te rappelle qu'on est sur Kerbal, hein, on est sur Carbine. Donc, on a déjà assez de problèmes ici, on fait ça chez les autres, tu vois. Je rappelle qu'il y a un article, vous pouvez voir, qu'on se demande peut-être si on n'irait pas mettre de la poussière, c'est-à-dire 42 tonnes, j'invite à lire cet article, il y a pas très longtemps, qui n'est pas un fake. J'ai contrôlé, il y a vraiment un vrai soutien, un vrai support scientifique derrière. On souhaiterait aller, pour vous dire, on souhaiterait aller au point de Lagrange, d'accord, qui est par ici. Point de Lagrange pour libérer... Non, pardon, je dis une connerie. Par ici, excuse-moi. Il est ici, le point de Lagrange. 42 tonnes de poussière qui ferait un voile qui masquerait la Terre du Soleil pour réduire les températures moyennes. Et on finit tous dans... c'était quoi ? Ah putain, je vais entrer... Snowpiercer, voilà. On finit tous dans Snowpiercer. Trop bien. Trop bien. Et ça... Donc en fait, à la place de vouloir combattre le... Le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique de manière normale. Mm-hmm. Ils veulent faire comme ce qu'ils ont toujours fait, ce qui veut dire faire de la merde, quoi. En fait, tu mets toujours un pansement sur une jambe de bois, oui. Ouais, c'est... Après, on va pas non plus rentrer dans un débat philosophique là-dessus, mais... Y a pas de débat philosophique à avoir. Ah putain, il m'énerve l'autre avec ça. Si, c'est un peu philosophique, mais... T'as toujours la team de on peut faire un petit peu à notre niveau tous, ce qui est cool, mais je veux dire, si t'as sans cibler qui que ce soit, hein, si t'as une population de plus d'un milliard de personnes qui bougent pas le petit doigt, c'est autant pisser dans un violon, tu vois, ça fait le même effet, hein, pour moi. Enfin, j'ai vraiment ce côté, ok, on va être 60 millions à s'y coller, on est un grain de sable, hein, sur la population du monde. Hein. Ah, mais je suis entièrement. Et donc, look up, voilà, regardez, c'est exactement ça, Ludaf, tu vas bien terminer ce stream, regardez Don't Look Up. Les 98% de la planète en auront rien à branler. Les amis, moi je vais repartir sur la webcam. Gros kiff encore. Retour, donc, la nouveauté, c'est que... qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? 1. Je sais pas mettre les bons moteurs sur des fusées. 2. Je sais faire des fusées qui décollent, qui vont à peu près droit, en ayant construit ça 5 minutes auparavant. On a failli atterrir sur la Lune. Failli. Ça sera pour mercredi prochain, on atterrit sur la Lune, quoi qu'il nous en coûte. Vendredi, Warship. 3 guitares sont pas droites. Lesquelles, Akana ? Lesquelles ? Elles sont toutes droites. Toutes droites. Tu te calmes. je disais donc, vendredi, Warship. Le 29 mars, la fibre. Voilà. Et donc le 30 mars, c'est juste festival d'insultes pour Beatles. Ça fait juste 2 ans qu'ils me cassent les couilles. Donc le 30 mars, si vous voulez juste entendre quelqu'un en prendre plein la gueule, bah, rendez-vous ici. Voilà. Sur ce, les amis, la bonne soirée. Wally, bonne soirée également. Attention aux torpes. Ciao. Ouais, bah là, à mon avis, je vais me faire torper, ouais. Je vais te faire torper ? Mais tiens, ouais. Pendant qu'on on se dit adieu, chez qui on va ? Qu'est-ce qui stream à l'heure actuelle, présentement ? Qu'est-ce qui string ? Aucune idée, pas moi, en tout cas. Chez qui on va ? Chat, vous choisissez. On a Statsblock qui fait du Warship. On a Chaos aussi. On a Chaos Machine. Le Chaos Machine. Qu'est-ce qui stream d'autre ? Il y a Lionheart aussi qui fait du Warship. Alors, Kana, tu lances pas ce soir ? Ouais. La bonne soirée, le DAF, bonne soirée tout le monde, bonne soirée Bratislava, merci d'être passé encore, ça me fait hyper plaisir. Merci Arcon, bonne soirée toi aussi. T'attends ma team pour Clan War ? Ah, moi ce soir je suis trop avec la taxe, il me fallait vraiment exactement ça, c'est-à-dire un stream posage de cerveau par terre, quitte à se marcher soi-même son propre cerveau. J'ai pas le cerveau pour des clans battle ce soir, ni envie de strater ou quoi que ce soit. Bah, moi je suis en Clan War, mais pas avec le clan du coup. Mais t'as bien raison. Et t'arrives à être sur un Discord en même temps à écouter les ordres ou pas du tout ? T'en bats les couilles. Non, je suis pas sur un...
sur un Discord, je suis avec des Anglais là. D'accord. Ah, tu t'es mis genre dispo pour une division. Ouais, voilà, c'est ça. C'est okay. Exactement cela. Bon, allez. Bon, le temps que vous choisissez, moi je. Hein, voilà. Allez, des bisous, Wally. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, cette fusée, bon, au moins elle vole. On va la sauvegarder. Je suis en train de me dire, on va la sauvegarder pour la semaine prochaine. J'ai failli faire l'erreur de faire Alt F4. Autant vous dire qu'on était dans la merde pour mercredi prochain. Poum, 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 poum. Ma fusée. Vous avez pas décidé? Vas-y, il n'y a pas besoin d'être raté. Non, c'est clair. Laissez sauvegarder. Sauvegarder, voilà. Donc personne. On va chez personne. On va chez Sunper ce soir. Le Daffy, tu stream pas? Le Daffy, le Daffy, le Daffy. Allez, chez Chaos, il y a une bonne liste son. Let's go, on va chez Chaos. En tout cas, si comme moi vous allez partir manger, bon appétit. Sinon, rendez-vous tous chez Chaos. Encore merci la Mifa d'être passé. À vendredi, restez vous-même. Et puis, have fun. Lancez des fusées, elles sont toutes belles. Qu'elles soient petites, grosses ou moches. Stop shaming les fusées, s'il vous plaît. Et puis voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Des bisous la Mifa, et à vendredi. Ciao, ciao, ciao. Je me casse.